dormissent parmi les cèdres. C'est là. Je serai contente de revoir Mère et Brasidas. Qui es-tu ? Moi ? Personne. Mais toi, tu es encore plus divine que Brasidas l'avait annoncé. Tu devrais avoir une statue parmi ces arbres. Brasidas ? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? La guerrière, il a dit. Cherche la puissante guerrière à la lance brisée. J'ai ajouté le côté divin. Je ne suis qu'une voyageuse. Et ce n'est pas la seule lance brisée qui existe en ce monde. Et l'aigle dont il a parlé ? Quel aigle ? Où est Brasidas ? Il faut que je lui parle. Bah ça, je veux bien te croire. Et la femme ? Tu veux lui parler aussi, non ? Attends. Elle te ressemble. Dis-moi où ils sont allés. Oui, d'accord. C'est pour ça que Brasidas m'a payé, après tout. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Je trouve qu'il ne m'a pas payé assez. Pour les dieux ! De l'or, mais de l'or ! Non ! Arrête ! Je t'en prie, arrête ! Juste une voyageuse. Quelle dit ? Dis-moi où ils sont ! Où je me charge d'effacer ce sourire insolent de ta face de fouine. Il a dit que tu avais un sale caractère. Il avait raison. Dis-moi où est ma mère. Où je t'enfonce ma lance si profond dans la gorge que tu auras une queue en fer devant les portes d'Hadès. Je t'en prie, aie pitié. Parle ! Ils sont sur une colline, une falaise au-dessus de TGA. Tu as dit que Brasidas ne t'avait pas assez payé. Qui s'en est chargé ? L'Archonte. Il donne plus pour ta tête que ne pourrait en offrir Brasidas en un siècle. Dis-moi qui est cet Archonte. Je veux un nom. Lagos. Il s'appelle Lagos. Et c'est l'homme le plus puissant d'Arcadia. Celui qui contrôle le grain, contrôle le monde. Tu as de la chance. J'ai vu assez de sang comme ça. Oh. Mais tu vas en avoir beaucoup plus. Bienvenue en Arcadia, Cassandra. On promène au but au-dessus de tous, alors que t'as...
Les dieux soient loués, tu nous as trouvés. J'ai reçu ton message. J'ai tué le messager. Il t'avait trahi, Brasidas. Les membres du culte dont Myrin m'a parlé savaient que tu viendrais et ont dû obliger Lagos à mettre ta tête à prix. Il va être difficile de faire confiance à quiconque en Arcadia. C'est pourquoi la tête de l'Archonte doit finir sur une pique. Ça enverra un message clair au pantin royal de Sparte. Tâchons d'en savoir plus sur la situation en Arcadia. Il est possible de régler la question de Lagos sans couper trop de têtes. Excellent. Nous devons régler ceci comme tu t'es occupé du maquignon à Corinthe. Je tâcherai de m'en souvenir. Quoi qu'il arrive, il nous faut Lagos vivant. Arcadia est le grenier à blé de Sparte. Et Lagos veille toujours à ce qu'il soit plein. Cet homme travaille pour le culte de Cosmos, pas pour Sparte. Alors nous devons le libérer de son étreinte. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il en a envie ? Les primes et les menaces, ça ne ressemble pas à Lagos. C'est un propriétaire, pas un meurtrier. On dirait que je suis arrivé à temps ? Assurément. Mais il est aussi temps de prendre une décision. Ta stratégie a du bon, Brasidas. Merci. Content que tu l'approuves. Tu laisses le sentimentalisme obscurcir ton jugement. Le sort de milliers de Spartiates dépend de Lagos. Sa mort apporterait le chaos. Une ferme située au nord-est de Tegea lui sert de refuge. Retrouve-moi là-bas avant de commettre l'irréparable. Et si le plan de Brasidas échoue ? L'Archonte est un lâche, il vit terré aux forces amicones. Tu ne risques pas de rater telle horreur. Tu peux aller t'occuper de lui, mais méfie-toi, il est bien protégé. Alors nous devons affaiblir ses défenses. Il a des casernes remplies d'hommes et des silos pleins de grains. Ce serait dommage qu'il leur arrive malheur. Je vais aller voir ce que prépare Lagos. Bonne chance, mon enfant. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas une question de feu et de grains. C'est personnel. En avant, Phobos. T'aider, guérisseuse ? J'ai entendu dire que tu Pardon ? Ce n'est rien. Moi aussi. Chauve ou pas, Hippocrate est quelqu'un de bien. Peu importe sa bonté, il ne devrait pas être chauve. Et c'est la... Oui. Je termine.
Allez. Allez. Te voilà. La Gosse vit toujours, alors. Où sommes-nous, au juste? La Gosse est un personnage public en Arcadia. C'est ici qu'il mène ses affaires privées. Et qu'est-ce que tu cherches? Si nous parvenons à trouver qui manipule la Gosse, nous n'aurons pas à verser le sang. Je croyais que les Spartiates en buvaient dès le matin. J'en ai vu couler beaucoup trop. Mais je garde espoir. Tu te ramollis, Brasidas. Quand Léonidas est mort aux Thermopyles, nous nous sommes tous unis contre un ennemi commun. Athéniens et Spartiates ont lutté côte à côte. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un. Est-ce qu'on t'a suivi? Non. Bien. Tu as la lettre de la Gosse? Je l'ai, oui. Notre tâche, c'est de livrer ceci à l'arbre brûlé, près d'un champ doré. Quelqu'un nous y retrouvera et l'apportera au repère. Une lettre de la Gosse. J'y trouverai peut-être les réponses que je cherche. Je vais les suivre. Continue à fouiller la maison. On m'a amené ici avec la famille de la Gosse. J'ai cru qu'on allait nous tuer. Où sont-ils? Sous terre, avec de nombreux gardes. Tu vas aller dire à mon ami Brasidas que je les ai trouvés. Ils devraient être dans une vieille ferme au nord-est de Tegea. Compte sur moi. Merci aux dieux de nous avoir sauvés. Qu'est-ce qu'on s'en est? On va être libre. Montez la garde au repère. Pas de la ferme. Je me demande ce qu'il...
Cassandra. C'est Brasidas qui m'envoie. On va rentrer chez nous? Je n'en sais rien. Cela fait des jours que nous sommes dans cette grotte malsaine, sans nouvelles de Lagos. Vous êtes libre. Et ce serait dangereux de retourner voir Lagos. Les méchants sont toujours avec Père. Ils obligent ton père à faire ce dont il n'a pas envie. Je vais trouver Lagos et le libérer de ces... méchants. Et nous? Je ne peux pas retourner voir ce misérable. Et maintenant que ses gardes sont morts, on est en danger. Pour l'instant, allez voir mon ami Brasidas. Vous le trouverez au refuge, au nord-est de Tegea. Là où Lagos tient ses réunions secrètes. Tu es en colère, mère? Je te remercie de nous avoir sauvés. Nous irons voir Brasidas. Kéré. Où allons-nous?
Je m'attendais à te voir. Tôt ou tard. Comment l'as-tu deviné? Je sais que c'est toi qui as libéré ma famille. S'ils sont en vie, c'est grâce à toi. J'ai fait ce qu'il fallait. Alors même que toute Arcadia cherchait à me tuer. Le monde est plongé dans le chaos. Ça, c'est l'œuvre du culte. C'est une époque de division. Sparte contre Athènes, l'ancien contre le nouveau. Et tu ne crois pas que le culte attise les flammes dans les deux camps? Je sais de quoi il est capable, ce qu'il entend mettre en place. Ce que je veux, c'est le bonheur d'Arcadia. Je tiendrai compte de tes paroles. Il n'est pas trop tard. Quitte le culte de Cosmos et rejoins Brasidas. Tu me vois aujourd'hui comme un allié. Comment puis-je être sûr que Brasidas et toi ne changeraient pas d'avis? On peut affronter ensemble notre ennemi commun. Tu mérites mieux que de vivre sous l'emprise du culte. Tu ressembles à Brasidas quand il avait ton âge. C'est une source d'espoir. Le culte m'a remis ceci, en témoignage de mon allégeance. Tu pourras peut-être l'utiliser contre lui. Je suis sûr que ça me sera utile. Je vais lever la prime sur Myrin et sur toi. Puissiez-vous réussir à triompher de ce mal. Archonte, ma mère et moi te remercions. Tu as sauvé ma famille du culte, seule. Tu as du courage. Pourquoi? Cela te vaudra la colère d'un roi. Pausanias a menacé de torturer et de tuer les miens si je le trahissais. Pausanias? Tu as des preuves? Tiens, ceci témoigne de sa traîtrise. Merci. Je vais m'occuper de ce roi du mensonge. Arès m'a choisi pour mener les Spartiates à la gloire. Il ne peut y...
La prime a été levée, et Lagos est vivant. Tu vois, je savais qu'on pouvait éviter la violence. Cet adepte méritait de mourir. Lagos était une victime du culte. Il ne mérite pas la mort. Le culte de Cosmos dévorerait ses enfants si cela pouvait servir ses fins. Pas Lagos. Le roi Pausanias lui forçait la main. Il était prêt à égorger la famille de Lagos. Et j'en ai la preuve. Le roi Pausanias ? Nous devons rentrer à Sparte pour le démasquer. Tu as raison. Nous avons fait ce que nous pouvions. Il est temps d'aller à Sparte. Oui, il est temps de rentrer. Très bien. Je vais devoir te laisser, Cassandra. Je n'oublierai pas de sitôt tes exploits. Myrine, j'ai pris plaisir à te revoir. Nous avons eu des différends, mais j'espère que tu retrouveras bientôt ton foyer. Arcadia ne craint plus rien désormais. Et la prime a été levée. Nous pouvons voyager sans trembler. Alors, on reprend la route. Je suis là pour affronter les rois. Tu es prête à réclamer les terres de notre famille ? Bien sûr. Mais mon principal but est d'abattre le roi vendu au culte. Tu fais la fierté de ta mère, Cassandra. Mais es-tu sûre d'avoir assez de preuves pour le confondre ? J'en suis sûre. Je préviens les efforts et te retrouve dans la salle des trônes. D'accord, je t'y retrouve. Pourquoi ce retard ? Désolé pour cette attente. Tu as convoqué les efforts ? Tu as dû parvenir à tes fins pour réussir à réunir cette foule béate. J'ai rapporté à Sparte une couronne. Mais j'ai dû participer au jeu et la gagner moi-même. Très bien. Mais qu'est devenu Testiclès, notre champion de Pancras ? Il a eu un accident marin avant d'avoir pu concourir. Les jeux sont secondaires. Qu'en est-il de la Béotie ? Stentor et moi avons défait les forces athéniennes.
Vous n'avez plus à vous inquiéter. Si tu n'as que de bonnes nouvelles, pourquoi avoir fait venir les efforts? On nous a parlé d'accusations sérieuses. Des accusations? Contre qui? Tu fais comme si tu ne savais pas. Cela te dessert, Pausanias. J'ai parcouru les terres de Sparte, et même au-delà. Et j'ai pu prouver la trahison de Pausanias. C'est un adepte du culte de Cosmos. Ces scélérats sont prêts à tuer par centaines pour régner sur le monde grec. Ces preuves devraient suffire. Des preuves? Quelles preuves? Ainsi dont les rumeurs étaient vraies. Nous n'aurions jamais pensé qu'un roi puisse manquer autant d'honneur. L'honneur fait partie du passé. Pour tes crimes, tu mérites la mort. Comment oses-tu menacer un roi? Pausanias, ton titre de roi t'est retiré. À compter de ce jour, tu es banni de Sparte. Je jure devant Athéna et Arès que vous le regretterez. La justice triomphera! Oh, justice sera faite, roi fantoche. Pardonne-nous, mon roi. Ma fille ne pouvait le laisser occuper plus longtemps, ce trône. Naturellement. Vous avez largement mérité de recouvrer votre statut. Sparte vous offre sa gratitude, et vous restitue votre maison. Tu récupères ta demeure. Notre maison. Laissons la cour mener ses affaires. Retrouve-moi à l'extérieur. Il serait sage de s'occuper de Pausanias le plus tôt possible. Je le ferai. C'est un adepte, après tout. Quand ce sera fait, retrouve-moi chez nous. Avec plaisir. Le roi Pausanias appartient au culte de Cosmos. Je vais devoir le tuer moi-même. Voilà, Pausanias. Malaka. Tu es trop près. Attends, je vais te tuer. Quoi donc? Il y avait un crâne ici, un crâne de lapin, ton premier trophée. Pourquoi quelqu'un l'aurait-il pris? Une seule personne a pu l'emporter. Nikolaos. Le fait de nous revoir lui a peut-être rappelé cet endroit. Ça a été le cas pour moi. La nostalgie n'a pas frappé que moi, on dirait. Je ne dérange pas, j'espère. Brasidas, viens, entre. Cela fait plaisir de vous revoir chez vous. Et ça fait du bien d'être ici. Tu n'es pas à l'entraînement? Qu'est-ce qu'il y a? Je dois me rendre à Pylos au plus vite. Je crois que tu ferais bien de m'accompagner. Je serais ravi de te rendre service. Qu'est-ce qui nous attend à Pylos? La gloire, bien sûr. Les Athéniens repoussent les Spartiates en ce moment même. Une telle perte serait un rude coup pour Sparte. Je dois l'empêcher à tout prix. On dirait que tu doutes de l'ardeur des guerriers spartiates. Ils sont toujours aussi robustes.
Mais ils affrontent un pouvoir dont ils n'ont aucune idée. Tu parles de Deimos ? Oui, si l'on en croit les rumeurs. Une force de la nature dans l'enveloppe d'un mortel, et à laquelle aucun soldat ne résiste. Si Deimos est à Pylos, notre devoir est de l'arrêter. Je t'attendrai au navire, mais fais vite. Chaque instant perdu coûte la vie à un Spartiate. Alexios est à Pylos. Tu dois le ramener, Cassandra. Le ramener ? Nous avons retrouvé notre maison. Nous pouvons redevenir une famille. Il n'est pas trop tard. Je vais le ramener, quel qu'en soit le prix. C'est capital, Cassandra. C'est peut-être notre seule chance. Je comprends. Il a dû voir la véritable nature des adeptes à présent. Peu importe ce que tu devras faire. Ramène ton frère ici. Il le faut. Rien ne m'en empêchera. Je dois y aller, Brasidas m'attend. Sois prudente, Cassandra. Cherche à nous éprôner. Elle est partie. Repos, tout le monde.
entendu dire qu'on allait nous envoyer en erreur. Où est Brasidas? Et qu'est-ce que tu lui veux? Nous avons combattu ensemble. Une amie? Oui, et une amie de Sparte. Maintenant, mène-moi jusqu'à lui. Halte! J'ai des ordres! Montez la garde et attendre des renforts. Ils auraient dû arriver avant-hier. Pas besoin d'attendre. Je suis là. Toi? Je te signale que les Athéniens nous tiennent à la gorge. Tu fanfaronneras moins quand tu les verras. Avec moi, nous les enverrons aux passeurs. Alors bienvenue, guerrière. J'espère que tu te bats aussi bien que tu parles. Allons voir Brasidas. C'est pourtant toi qui vas perdre. Bras d'Arthur, tu auras ton sang sur les mains. Le sien, le tien et celui de tous tes amis. Tu es fou. Tu es encore empêché. Assez. Rien ne t'arrêtera. Je ne veux pas te tuer, Alexios. Mais je t'empêcherai de nuire. Mon nom est Théo. Yeah.
Si nous continuons, l'un de nous deux va mourir. C'est bien le but. J'ai retrouvé Mère. Enfin. Faites-nous être séparés de nouveau. Je ne sais pas ce qui t'est passé par la tête. Quoi ? En essayant de te sauver la vie ? Non, ce n'est pas ça. Je t'ai dit de ne pas te mettre sur mon chemin, et te voilà encore. Et maintenant ? Je suis prisonnière en attendant d'être tuée. Tu as tout deviné. À moins que je change d'avis et que je vienne te tuer tout de suite. Mais avant cela, dis-moi ce que tu sais. Je croyais que tes adeptes te disaient tout. Apparemment, tu es de leur côté, mais ils ne sont pas du tien. Tu crois qu'ils se servent de moi ? Alors prouve-le. Montre-moi que je suis dans le mauvais camp. Je te mets au défi. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Tout ce que tu prétends être vrai. Mais ensuite, je te tuerai. Pourquoi m'a-t-on abandonné cette nuit-là sur la montagne ? On t'a abandonné ? Tu appelles ça comme ça ? Il n'y a pas d'autre nom pour ce qu'on m'a fait. On m'a laissé pour mort. Et on a essayé de te sauver. On a dicté mon sort. Et vous l'avez tous accepté. On ne t'a pas dit que j'ai essayé de te sauver ? J'ai couru pour t'attraper. J'ai tué un géronte. Ma vie aussi a pris fin ce jour-là. Toujours à vouloir jouer les héros. Ça n'a pas suffi à l'époque, ça ne suffira pas aujourd'hui. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Et j'en fais autant aujourd'hui. Il est trop tard. Rien de ce que tu pourras dire ne peut me rapprocher de toi. On nous a caché des choses, à tous les deux. Oui, mais tu prétends savoir plus long que moi. C'est Nikolaos. Il n'est pas notre vrai père. C'était un autre homme. Quelqu'un comme nous. Combien d'autres secrets vais-je devoir découvrir ? Quand connaîtrai-je la vérité ? Les dieux sont cruels. Deimos, nous avons cherché partout, et tu es là. Dans ce cachot. J'ai entendu des cris. Ce n'est rien. Pars. Sur le champ. Tu n'avais pas à venir ici, mon garçon. Je ne suis pas ton pantin. Et tu n'es pas mon maître. Bien sûr, champion. Pardon pour ce manque de considération. C'est par ta faute que tu t'es retrouvé ici. Je n'en ai aucun souvenir. Comprends que c'est pour le bien d'Athènes, Cassandra. Périclès aurait causé la perte de toute la ville. Le peuple vivait dans la misère. Alors, tu l'as fait tuer ? Il faut casser plusieurs œufs de caille pour trouver le plus beau jaune. Il nuisait à la cité. Faire tuer tes adversaires en dit long sur ta nature de chef. Oh, je n'en suis qu'à mes débuts. Dommage, tu ne verras pas la suite. Entre dans la cellule. Tu es venu me tuer, n'est-ce pas ? Voyons ce que tu sais faire. Malheureusement pour moi, j'ai d'autres incendies à éteindre. J'ai entendu parler d'une révolte. Déjà ? Ça n'a pas tardé. J'ai une solution. Les morts ne peuvent pas se révolter.
Je te vois mal tenir tête à une bande de rebelles, si tu refuses d'affronter celle que tu as devant toi. La décision ne m'appartient pas. Elle est le fruit d'un vote. Je te l'ai dit, le peuple m'a accordé sa bénédiction. Je mets en œuvre son pouvoir. Ce n'est pas ça, la démocratie. Le peuple a choisi sa destinée, Cassandra. Il m'a choisi. Crève, Cléon. Je n'ai rien ordonné. Le peuple d'Athènes a parlé sans que je lève le petit doigt. C'est comme ça qu'on mate une révolte. Il ne sait pas à quoi il a consenti. Tu m'as aidé à Athènes, de ton plein gré même. Si seulement tu ressemblais plus à ton frère. Dommage, oui. Le culte a gagné, Cassandra. Bon, je dois aller m'occuper du bateau qui vogue vers Mytilène. La population va avoir une belle surprise. Ça ne prendra pas longtemps. Intéressant. La mort est peut-être la plus grande bénédiction qui soit, en fin de compte. Au moins, vous avez essayé. Bien sûr, c'est l'intention qui compte. Les dieux soient loués, tu es vivante, Cassandra. Il y a peut-être d'autres gardes. Je crois que nous devrions partir sans tarder. Attendez, il faut qu'on parle de Cléon. Socrate s'occupe de ce malacre. Nous savons ce qu'il prépare. Plus vite! Son équipement, Barnabas. Allez, viens, Barnabas. Cassandra, retrouve-nous à la demeure de Périclès. Nous y parlerons de ce que nous savons. Les marches qui mènent au Parthénon sont nombreuses et posées sur des cadavres. Toujours en vie. Naturellement. Barnabas était prêt à retourner te sauver. Comme il l'a dit, c'est l'intention qui compte, non? De toute évidence. Viens, les autres nous attendent. Nous commencions à nous inquiéter. Oui, tous les gardes d'Athènes sont sur tes traces. Si Cléon pense que ça suffira à m'arrêter... Qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes en train d'élaborer un plan pour abattre Cléon. C'est à peine une ébauche. Beaucoup de discussions, mais très peu d'action. Donc, vous voulez abattre Cléon? Dites-m'en plus. Ce sera difficile. Sa mort troublerait l'ordre et aggraverait la situation d'Athènes. Il a raison. Commençons par ruiner sa réputation. Aristophane a apparemment une pièce de théâtre qui pourrait faire l'affaire.
Une pièce? Mais c'est beaucoup plus que ça. Oh, ne te mets donc pas dans un état pareil. Oublions la colère et faisons place à l'amour. C'est tellement plus agréable. On ne peut pas rester les bras croisés. Cléon envoie un bateau à Mytilène pour massacrer les habitants. Le peuple fait confiance à Cléon. Il votera tout ce qu'il lui proposera. Cela ne veut pas dire que nous ne devons rien préparer. Il ne sera pas facile de renverser Cléon. Mais avec ton aide, ça devient possible. Ça va être un désastre! Un désastre, je te dis! Du calme! De quoi est-ce que tu parles? De mon chef-d'œuvre! Il va tout changer, amuser, étonner, titiller, et ouvrir les yeux sur les manigances de Cléon. Mais j'ai besoin de toi. Je ne suis ni actrice ni poétesse, Aristophane. Par les dieux, non! C'est Thespis, mon acteur. Il a disparu. Une pièce sans premier rôle, ce n'est plus une pièce. Où est-ce que je peux le trouver? Thespis ne s'éloigne que rarement de chez lui. Commence donc par là. Ça ne devrait pas être long. Prépare le spectacle. Je reviendrai dès que je l'aurai trouvé. J'aurais dû rester. Il fallait que quelqu'un arrête Cléon. Seuls les imbéciles ressassent le passé, et tu n'en es pas une. Pour l'instant, efforçons-nous de sauver Mytilène. Donc c'est à cela que ça se résume. Une sorte de plan. Depuis que j'ai entendu Cléon parler de Mytilène, j'ai su que quelque chose n'allait pas, et j'ai cherché à en savoir plus. Ce plan a l'air prometteur. L'un de mes élèves joue les gardes à l'acropole. Apparemment, Cléon y cache quelque chose. Et il y rencontre des gens en secret. C'est audacieux. À situation désespérée. Si tu penses qu'il y a quelque chose d'utile à l'acropole, je le trouverai. J'espère surtout que tu y découvriras la preuve de ses méfaits. Très bien, où dois-je aller? Dans la partie ouest du sanctuaire de l'acropole. Je trouverai, à l'acropole, de quoi incriminer Cléon. Bien, je dois bientôt m'adresser au peuple, à la Pnyx. Si tu trouves quelque chose, retrouve-moi là-bas. Je ferai vite. Ça ressemble au genre d'endroit où viendrait Cléon. Donc, pour obtenir la clé, je dois trouver Phaelos, le commandant. Cette pelle a servi récemment. Des traces boueuses. Cette personne a dû marcher dans le jardin. Quelqu'un a creusé ici.
Socrate avait raison. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Bien, tu es là. Ces gens attendent que je m'adresse à eux. Je crois que ceci devrait pouvoir t'être utile. C'est ce que j'ai trouvé à propos de Cléon.
Mytilène n'est que le premier des nombreux endroits qu'il a l'intention de raser. Compte tenu de l'influence qu'il a sur le peuple, il recueillerait chaque fois son assentiment. Alors, c'est à nous de le faire changer d'avis. Maintenant. Tu vas te joindre à moi ? Comment veux-tu que je t'aide ? C'est toi l'orateur, pas moi. C'est justement ce qui va te permettre de m'aider. Tu vas devoir agir comme les partisans de Clé. Ce ne sera pas facile, mais je ferai mon possible. Dis-moi, si tu blesses quelqu'un avec une épée, n'es-tu pas responsable ? Je le suis ! Et si tu engages quelqu'un pour blesser quelqu'un d'autre, es-tu toujours responsable ? Oui, je resterai responsable. J'admire ton bon sens, et tu as entièrement raison. Si quelqu'un souffre, quel qu'en soit le moyen, dès lors que nous y sommes mêlés, nous demeurons responsables. Donc, nous sommes susceptibles de blesser quelqu'un sans le frapper nous-mêmes. C'est vrai. Alors, j'ai une autre question pour toi. Qui mérite le plus ta confiance ? Le peuple ou l'homme d'expérience ? Je fais confiance à l'homme d'expérience. Il en sait sûrement plus que moi. Alors, tes décisions se fondent seulement sur les dires d'un autre. C'est tout ce que j'ai pour faire mon choix. Et s'il mentait ? Ceux qui me mentent ne méritent pas ma confiance. À juste titre. Après tout, si quelqu'un te ment une fois, qui te dit qu'il ne recommencera pas ? Oui, c'est vrai. Donc, tu admets que quelqu'un qui te ment est indigne de diriger ? Bien sûr. Oh, Athéniens, admettez-vous, vous aussi, que l'on puisse être responsable du tort fait à quelqu'un, même par le biais de quelqu'un d'autre ? Oui ! Et suivriez-vous quelqu'un si vous appreniez qu'il vous a menti pour servir ses intérêts ? Bien sûr que non. Alors je vous conjure, je vous implore, par-dessus tout, d'écouter mes paroles forgées de vérité. Celui que vous suivez aujourd'hui ment pour servir ses propres intérêts. Cléon vous a menti afin que vous votiez en faveur de l'attaque contre Mytilène. Et nous avons la preuve qu'il va recommencer. Si ce navire arrive à Mytilène, la population sera entièrement massacrée. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous pouvez revenir sur votre décision. Il faut demander un autre vote. La vie de ces gens est aussi entre vos mains. Il faut arrêter ce navire. Cela aurait pu mieux se passer, mais le peuple ne peut plus réfuter la preuve que nous lui avons présentée. Mais nous n'avons fait que parler. Nous avons fait beaucoup plus. Nous avons utilisé une preuve et des arguments qui vont non seulement gêner Cléon, mais peut-être aussi sauver de nombreuses vies. Est-ce que ça suffira ? Je crois que la nouvelle de la félonie de Cléon va se répandre dans tout Athènes. Les habitants aiment leur cité et ce qu'elle représente. Personne ne souhaite sa chute. Μόνο
κάνω όταν το επιχείρημα δομείται πιστικό. On m'attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire discrète. Peut-être la maison de Tespis. Tu ne ressembles pas à un acteur, toi. Sauf si tu joues un garde athénien. Chut. Je vais te poser 2-3 questions, et tu vas y répondre. Mais le commandant Rexenor... Quel est ton nom? Bulis. Eh bien, Bulis, à toi de décider comment tu vas sortir d'ici. J'ai été clair? Oui. Tu ferais mieux de me dire tout ce que tu sais. Tout ce que je sais, c'est qu'on nous a dit de saouler cet acteur. Va voir toi-même. Il est à la taverne. Tu es sûr que c'est tout? Moi, j'obéis aux ordres du commandant. Je pose pas de questions. Fais quelque chose d'utile. Rejoins mon équipe. Tu es loyal et tu appliques les ordres. Vous m'accepteriez? À ton avis? L'occasion de quitter Athènes? Merci. Merci. Si c'est ta femme, pourquoi qu'elle me... Je crois qu'il a assez bu. Et en quoi ça te regarde, toi? Ouais, en quoi ça... Oh, regardez-moi ça. Tu ferais mieux de filer. C'est son employeur qui m'envoie, Aristophane. Et alors? Il ne travaille pas. Ouais, je travaille pas. Mais je l'aime bien. Il est marrant, Aristophane. Mais ses idées, c'est dangereux. Dangereux. Il a raison. J'ai besoin de lui, en bon état. Je crois que tu ne comprends pas la situation. Le commandant Rexenor a ordonné qu'il reste ici. Je dis que je reste. Je suis là. Laisse-moi Tespis, et je te donnerai quelque chose en échange. On devrait pouvoir s'entendre. Tiens, vous l'avez mérité. Je vais veiller sur lui. Bah, si ça peut t'alléger. Très bien, tu ne nous verras plus. Je me sens pas très bien. Il a dit que tu portais un masque, que tu risquerais rien. Il a dit... Tu es si fort, Akaterine. Oui, allez, Mes parents disaient que je finirais acteur ou ivrogne. Bah, j'ai gagné. Merci, mais tu peux pas aller plus loin. Parce que je suis... amoureux. Je veux seulement que tu sois en état de jouer demain. Bien sûr, et moi je veux ma muse. Mon amour. Je peux pas jouer sans elle. Il faut que tu dessoules. Cette pièce est importante. Akaterine aussi. Il me faut ma muse. S'il te plaît, elle est près d'ici, à l'ouest, à la maison d'Aphrodite. S'il te faut ta muse pour jouer, je vais te la ramener. J'y ai dit que Cléon nous tuerait tous. Si j'ai bien fait de quitter Kefalonia. C'est une attaque.
Je dois rester hors de vue. Muse. Tu n'es pas mon type. Trop musclé. Mais si tu as assez de drachmes sur toi, on peut faire affaire. Thespis a dit que je te trouverais ici. Oh, mon cher Thespis. Un artiste dans bien des domaines. Mais parlons plutôt de nous. Non, tu ne comprends pas. J'ai besoin de ton aide. Oui, comme beaucoup de monde. Mes mains guérissent mieux que celles d'Hippocrate. Non. C'est Thespis qui m'envoie. Bon, je ne sais pas ce que tu suggères, mais sache que je ne fais pas de réduction pour ses amis. Non. Thespis veut que tu ailles chez lui. Il a besoin de ton aide pour jouer demain. Thespis aime beaucoup jouer. Mais il faudra bien qu'il se passe de moi cette fois-ci. Mais... tu es sa muse? Le commandant Rexenor a été clair. Si je vais voir Thespis aujourd'hui, ça me coûtera la vie. Ne t'en fais pas. Je vais aller parler à ce Rexenor. On voit bien que tu ne connais pas la cruauté de cet homme. Il ne s'agit pas d'un banal soldat athénien. Qu'est-ce que tu veux dire? Des réunions secrètes, des visiteurs étranges. Il me donne la chair de poule. Tu vas devoir le tuer. Il n'y a pas d'autre solution. Et si je le fais, tu iras voir Thespis? Oh, j'en serais ravie. Ne t'en fais pas, je vais m'occuper de lui. Comme preuve, rapporte-moi sa petite épée. Je reviens bientôt. Aucun homme n'est heureux avant sa mort. Rexenor est apparenté au culte de Cosmos. Il n'y a aucun de la chance. Thank you.
La Grèce se portera beaucoup mieux sans toi. Ça t'ira comme preuve de sa mort ? Je pensais à un autre genre de petite épée. Mais bon, tant qu'il est mort. J'ai rempli mon rôle. Toi, assure-toi que Thespis sera au théâtre pour tenir le sien. Est-ce que tu es tendu ? Viens t'allonger un moment. On a le temps de s'amuser un peu. Ou tu es du genre travail, travail ? Ce n'est pas le moment. Il y a plus en jeu que quelques instants de plaisir. Quelques instants ? Je crois que tu te sous-estimes. Le sort d'Athènes dépend peut-être de cette pièce. Il faut que tu tiennes parole et que tu ailles voir Thespis. Ne t'en fais pas. Je te verrai au théâtre avec Thespis. Je n'ai pas intérêt à ce qu'on me remarque. Je ne te laisserai pas. Ça te pose un problème. Allez-vous-en. Dis-moi que tu as des nouvelles de Thespis. Il va bien. Et il pourra jouer ta pièce demain. Oh, les dieux soient loués. Je sais comment sont les acteurs. Les Athéniens ont des vies compliquées. Je préférerais être paysanne à travailler dans un théâtre. Ah, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est une vie merveilleuse. Tiens, pour ta peine. Le peuple est peut-être le cœur d'Athènes, mais ma pièce va devenir sa voix. Car vous savez qu'il a été élevé dans une porcherie. Quelles insultes quand je pense que j'allais proposer qu'une statue soit érigée pour chacun de vous en l'honneur de votre couronne. Voyez, ils nous traitent comme de vieux gâteux et rampent à nos pieds pour nous berner. Eh, la ruse qui abrite son pouvoir va se retourner contre lui. Oh, malheur, les comploteurs m'ôtent la vie. Oh.
fallait ce style. Bon, et maintenant? La pièce a eu un grand succès, comme je m'y attendais. Grâce à elle et à la preuve que vous avez présentée à l'Apnix, Cléon a perdu beaucoup de son crédit. Il se rend maintenant à Amphipolis afin de tenter de se racheter. Cassandra, Brasidas m'a envoyé te chercher. Il se porte bien. Où est-il? À Amphipolis. Il se prépare à combattre. Si tu arrives là-bas avant moi, dis-lui que j'arrive. Eh bien, que comptes-tu faire? Brasidas a besoin de mon aide. Je vais la lui apporter. Mais si nos chemins se croisent, je n'hésiterai pas à tuer Cléon. Quoi que tu décides, rappelle-toi qu'il n'est qu'un homme. Je ne peux rien te promettre. Sois prudente. Brasidas. Cassandra, content de te revoir. Et en vie. Pylos a été un échec. Au moins, il me reste mon bras pour me battre. Contente que tu ailles bien. J'ai été heureuse de recevoir ton message. Et moi qu'il te soit parvenu à temps. Cléon est ici. Nous devons agir. C'est simple. Avant tout, il faut le trouver. Nous manquons d'hommes, et nos espions disent qu'il a déjà demandé des renforts à Athènes. Raison de plus pour nous dépêcher. Tu as fait tes preuves. C'est un risque, mais j'ai confiance en toi. Nous allons arrêter Cléon. Tu as ma parole. Bien, allons-y, vite. Aujourd'hui, nous nous battrons jusqu'au dernier. Personne ne se rend. Sur les murs! Il faut les abattre! Vite! Oh!
devant nous. Détruisez-le. Malheureusement pour toi, il l'est. Pas trop tard, il peut encore nous rejoindre. Cassandra, je t'en prie, aie pitié. Vous l'avez retourné contre nous, mon propre frère. Grâce à nous, Deimo s'est élevé. Il est devenu immortel. Vous avez fait de lui un monstre. Alors, bats-toi à ses côtés. Apprends-lui. Tu retrouverais Deimos. Il s'appelle Alexios. Je t'en supplie. Ce monde est en miettes, Cassandra. Et nous allons l'unir. Silence, Saron. Je suis désarmé. Aie pitié. Je ne mérite pas une mort rapide. Mais tu mérites ce qui t'attend aux portes d'Hadès. Non. Ah,
génie. Tu ne comprends pas. Ah, personne n'oubliera Cléon d'Athènes. On se souviendra de... On t'a déjà oublié. Voilà. Myrine sera ravie d'apprendre la mort de Cléon. Et Brasidas, si j'avais pu atteindre Deimos plus tôt... Pardon.